Laënnec Hurbon, qui a travaillé longtemps sur le vaudou, j'aimerais vous poser la question d'emblée de l'importance du culte des Ogouns dans le vaudou haïtien. Parce qu'il me semble que ce culte est un culte Yoruba et que les Yoruba ont un rôle peut-être beaucoup moins important que les Congos ou les Dahoméens. Je crois que Ogou pose énormément de questions concernant son origine. D'abord, il ne provient pas directement des Fons, mais des Yoruba. Et comme vous le savez, comme on le sait depuis longtemps, il y a toujours eu des rapports de rivalité, des rapports guerriers même, entre les tribus Fons et Yoruba. Et au cours de ces guerres, les dieux sont captés, raptés, adoptés. Et c'est ainsi que Odaomé, rapidement, Ogou, qui provient du monde Yoruba, a été adopté comme divinité à laquelle on rend un culte à l'intérieur même du monde Fon. Ce qui explique l'importance de cette divinité, non seulement en Haïti, mais également à Cuba, où on le retrouve, et dans le culte Yoruba, également au Brésil, dans le Candomblé, et peut-être ailleurs aussi, sans doute à Trinidad. Dans tous les cas, on sait que Ogou est une divinité qui a pu traverser les mers, qui a un succès considérable et a été connue, mais en syncrétisme, bien avant le débarquement de Christophe Colomb ici, puisque en 1480, les Portugais ont érigé une église en l'honneur de Saint Jacques. Et probablement, Ogou a pu être déjà identifié à Saint-Jacques, d'après ce que rapportent certains historiens. Mais je pense qu'il ne faut pas le voir seulement du côté de Portugal et de l'Espagne, il faut le voir du côté des côtes africaines, auprès desquelles le Portugal mène déjà une activité d'évangélisation intense, en tout cas d'expansion du catholicisme. Et c'est là que peut-être ils se sont rendus compte que la comolithographie de Saint Jacques terrassant les morts, Saint Jacques qui ressemble un petit peu à Saint Michel Archange qui terrasse le démon, parce que évidemment tous ceux qui n'étaient pas catholiques, c'est-à-dire les infidèles, sont considérés comme des gens qui vivent encore sous l'empire du diable, eh bien on considérait déjà que Ogou c'était un peu Saint Jacques, parce que Ogou c'est le dieu du fer, le dieu de la guerre. Il était connu comme cela au Dahomey et au Nigeria. Eh bien cette osmose a pu être produite rapidement, peut-être même dès la fin du XVe siècle, entre Saint-Jacques et Ogou. Alors, évidemment, on peut comprendre qu'avec la christianisation des esclaves, avec le poids, l'importance qu'acquiert l'Église dans la période esclavagiste, on peut comprendre
que ce soit sous les ailes de Saint Jacques, en quelque sorte, que Ogou ait été amené en Haïti. Et d'où l'importance centrale de Ogou, étant donné justement l'importance déjà qu'acquiert Saint Jacques dans le système espagnol, puis plus tard dans le système de colonisation française. Il y a une confrontation qui se produit entre le catholicisme et le vaudou autour du personnage, autour de la figure d'Ogou et de la figure de Saint-Jacques. Mais il faut préciser quand même que l'Église catholique a été plutôt surprise devant l'importance qu'a pris Saint-Jacques pour les esclaves déjà et plus tard pour les Haïtiens. Je ne crois pas que l'Église cherchait vraiment, à travers une stratégie bien délibérée, à christianiser un peu Ogou. Je pense plutôt que l'Église pensait terrasser complètement, arriver à une substitution totale des lois, du loi Ogou, dans le culte de Saint-Jacques. Grands mythes yoruba ont pu, Brésil, à Bahia notamment, et à Cuba, subsister. C'est-à-dire, la culture yoruba, il me semble, si l'on va aujourd'hui dans un culte des orishas, même à Trinidad, la liturgie yoruba est restée, les chants yoruba sont encore là, les prêtres yoruba célèbrent tout en langue yoruba, alors que ici, peut-être parce que la rupture s'est faite plus tôt, Il y a des traces, mais la langue, elle est peu utilisée. Je pense qu'effectivement, on a eu des concentrations d'esclaves venant directement du monde yoruba. C'est ce qui a permis, en particulier, qu'à Cuba, on puisse retrouver presque en clair ce qui vient directement de yoruba. Mais ici même, il y a eu très vite un syncrétisme qui a été opéré entre fond et yoruba, si bien que dans un certain nombre de manifestations vaudou, surtout, chaque fois qu'on était en présence de ce qu'on appelle le culte Rada, la famille des lois Rada, on ne pouvait pas tellement distinguer les fonds des Yoruba. Nous avons la plaine du Nord, avec ce bassin Saint-Jacques, un sanctuaire catholique vaudou entre l'église et le bassin. Il me semble qu'on a très peu de traces, on ne parle pas de ce lieu à l'époque coloniale. Il prend une dimension plus forte après l'époque coloniale. Oui, attention, n'oubliez pas que nous sommes dans la plaine du Nord. Mais la plaine du Nord, c'est quand même la région dans laquelle les révoltes ont été nombreuses et sont connues entre 1740 et 1791. On a eu 50 ans d'agitation continuelle jusqu'à l'apothéose de la nuit du 22 au 23 août 1791 et avec la fameuse nuit du 14 août, qui est une nuit de cérémonie vaudou au cours de laquelle on a demandé à l'ensemble des esclaves de garder un secret autour de l'insurrection qui aura lieu une semaine plus tard. Probablement, on peut dire que Ogou a dû être connu déjà pendant la période révolutionnaire. En fait, dans sa fonction même guerrière ou dans sa fonction même de forgeron, c'est-à-dire il a dû jouer un rôle particulièrement important dans la zone pendant toute cette période révolutionnaire et pendant toute la période du 19e siècle, qui est aussi une période d'instabilité.
les Ogouns sont liés à un culte militaire, il me semble. Il me semble que c'est un peu la famille des Ogouns, ce sont les lois protecteurs de l'établissement militaire. Ça peut être aussi a joué un rôle, je dirais, dans la perpétuation même de ce lieu de pèlerinage, dans le fait que les militaires ont protégé peut-être ce lieu. Surtout quand on sait que la plaine du Nord est un lieu, je dirais, où des généraux planteurs ont dominé toute la zone jusqu'au général Magloire. Il y a un lien très étroit entre Ogou et tout le monde militaire, puisque pendant tout le 19e siècle, nous avons une domination complète des militaires. En fait, c'est un complexe militaro-foncier que nous avons en Haïti pendant longtemps. On peut dire jusqu'à l'occupation américaine. Donc, on a été dominé par l'armée qui dirigeait tout. Nous n'étions pas dans un système de droit. Et Ogou est employé par les militaires comme étant leur patron. Mais je voudrais quand même préciser qu'il ne jouait plus le même rôle que pendant la période révolutionnaire, la période qui précédait l'indépendance. Là, nous avons affaire avec les militaires à un rôle peut-être beaucoup plus conservateur. Ogou est censé servir des généraux qui, de temps en temps, peuvent se soulever et débarquer à Port-au-Prince, prendre le pouvoir. Et c'est ainsi que, et c'est ce qui s'est passé en 1899, la statue de Saint Jacques a été offerte à l'église de la Plaine du Nord par le président Hippolyte. Et en décembre, on sait que le général Nord-Alexis va récupérer complètement la statue à un moment où la statue va s'écrouler, va y avoir une chute de la statue dans l'église pendant la nuit. Et ça va faire un bruit tellement fort à travers le village que tous les gens se sont réveillés et sont allés dans l'église pour aller voir ce qui s'est passé. Ils se sont demandé qu'est-ce qui est arrivé à la statue. Ils ont interrogé le curé, ils ont cru qu'il y a eu une action menée contre la statue par l'église et ils ont voulu eux-mêmes protéger la statue. Et c'est le général Nord-Alexis, délégué dans le Cap pour le pouvoir, et il était chargé de ramener la statue à un endroit où elle pouvait être réparée. Il n'a pas été question pour les gens d'abandonner Ogou. Ils ont obligé le curé à recevoir à nouveau la statue, alors que l'évêque a déclaré qu'il préfère fermer l'église plutôt que de ramener cette statue, qui est en fait la statue qui renvoie à Ogou. Et l'évêque a été évidemment d'autant plus furieux, c'était Monseigneur Cœur-Suzan à cette époque-là, qu'au cours de la procession qui emmenait la statue à travers le Cap, on a fait une station devant l'un des plus grands forts de la zone, et en sorte qu'on voit bien que derrière Saint-Jacques, c'est bien de Ogou qu'il s'agissait. Et pratiquement, l'église a été fermée pendant quelques temps, mais les gens sont revenus avec la statue, l'ont imposée dans l'église, ils ont organisé une cérémonie vaudou à l'intérieur même de l'église. Moi, je crois que c'est une histoire qui est exemplaire en ce qui concerne les rapports entre le vaudou et le catholicisme, d'autant plus que Ogou renvoie à plusieurs autres saints dans le catholicisme, dont Saint-Michel-Archange, Saint-Georges, Saint-Philippe, son frère, Santa Barbara aussi. Et à l'intérieur du vaudou, Ogou est en articulation avec plusieurs autres lois, plusieurs autres divinités, dont Guédé, dont il est le père adoptif, dont Zaka, dont il est censé être le frère ou le cousin. Il y a toute une mythologie importante autour de Ogou. Mais cette mythologie est une mythologie recréée. Elle est recréée en Haïti même, avec de nouvelles filiations qui traduisent peut-être ce syncrétisme, ce mélange entre nations, entre groupes ethniques. Mais je ne crois pas seulement que Ogou a été un culte local en ce qui concerne la Plaine du Nord, mais qu'on le retrouve à travers, qu'on le retrouvait quand même à travers tout le pays. Puisque il joue un rôle cardinal dans la mythologie vaudou et dans le rituel en général, à travers ses liens, les liens qu'il entretient avec plusieurs autres divinités.
à travers Ogou, c'est toute une histoire postérieure d'Haïti à partir de 1804 qui est là et qu'on peut découvrir à travers les pratiques, les rites, la passion des Haïtiens pour Ogou. Ils croient que Ogou est capable de leur fournir toutes sortes de biens, toutes sortes de richesses et toutes sortes de possibilités pour obtenir toutes sortes de faveurs. Tout ce qu'ils demandent, que ce soit sous le plan matrimonial, ils croient que Ogou peut leur permettre d'avoir facilement des femmes et à des femmes de trouver facilement un mari. On attribue toutes sortes de puissances à Ogou. Il y a donc ce rôle d'Ogou comme une sorte de loi puissante liée à la guerre, liée à sa fonction même, qui est une fonction militaire, une fonction de domination, qui lui donne un rôle tellement important dans le panthéon vaudou. Si on revient à ce rôle, justement, d'Ogou, Ogou quand même a donné lieu à de véritables émeutes, a permis que des foules se rassemblent, a permis que des gens sont prêts à se battre pour lui, en quelque sorte. Chaque fois que l'Église essaie d'enlever le support que représente la statue au culte, on a l'impression qu'il y a encore une présence très forte du vaudou, puisque devant l'Église elle-même, et il y a des offrandes qui sont faites à Saint Jacques, c'est-à-dire à Ogou, du point de vue des gens, mais l'Église n'arrive pas vraiment à conjurer et à juguler cette propension des fidèles à voir dans Saint-Jacques Ogou. Mais ce qui m'intrigue dans cette affaire, donc, c'est surtout que en fait, qu'est-ce qui fait le lien social réellement en Haïti? Ce lien est-il d'ordre politique ou est-il d'ordre religieux? Est-ce que là nous n'avons pas affaire à quelque chose qui arrive à mettre les gens ensemble, vraiment? Soit même à les diviser, mais que ça se passe à un niveau religieux. C'est extrêmement curieux. Cela nous montre que peut-être ce qui s'est passé, en tout cas, à la fin du 19e siècle autour d'Ogou, cela nous montre que nous ne serions pas véritablement dans une société qui serait arrivée à un stade politique. Nous serions dans une situation encore pré-politique, dans une situation dominée par le religieux, où nous serions en face d'une très faible sécularisation de la société, où le religieux dominerait le politique lui-même. Et Ogou serait, à ce moment-là, l'une des figures, l'un des symboles les plus importants de ce type de lien social qu'on pourrait découvrir en Haïti. Ça nous ramène au rôle, effectivement, de la procession, au rôle du pèlerinage et au fait que, de même qu'à Limonade, de même qu'à Plaine du Nord, de même qu'à Sodo, ou à Soukri, ou à Souvenance, c'est-à-dire il y a le rôle, je dirais, de ce vaudou public comme pour renforcer ce lien social. Ce sont les moments forts de la société haïtienne où, si l'on veut, semblent se réconcilier non seulement, je dirais, toutes les couches sociales, mais aussi, aujourd'hui, la diaspora. C'est-à-dire il y a une sorte de, comme dans le pèlerinage du Moyen-Âge, c'est le lieu où se recrée ce lien social. Tout à fait, mais il faudrait découvrir plein d'autres lieux de culte qui sont annexés par des vaudouisants. Donc il y aurait une sorte de quête d'un vaudou public, créant donc un lien social entre les gens, mais comme si donc nous n'aurions pas que le catholicisme comme l'un des lieux d'expression de l'identité haïtienne. Il y aurait le vaudou, mais il y aurait également le protestantisme. Et je crois que c'est l'une des choses que les Haïtiens ont encore du mal à reconnaître. Il y aurait peut-être un déchirement des Haïtiens autour de ces cultes qui se disputent un terrain, le terrain du social, le terrain du public comme tel, l'espace public comme tel, en sorte que
on se demande si, dans cette situation, les Haïtiens ne seraient pas encore à la quête de nouvelles fondations, d'un vivre ensemble qui n'arrive pas encore à se réaliser en Haïti sur une base politique. Je ne crois pas seulement que c'est le discours politique qui prend la forme religieuse, je crois que c'est la pratique politique aussi qui prend la forme religieuse, sous les espèces de fanatisme, de l'intransigeance qu'on retrouve dans les pratiques ordinaires en Haïti. On peut vraiment dire que Haïti a encore plusieurs étapes à parcourir avant d'arriver au stade d'une société laïque, une société dans laquelle le fondement de la vie n'est pas directement le religieux, parce que comment le fondement pourrait-il le religieux quand il y a plusieurs systèmes religieux en compétition? Donc il faudrait justement que les systèmes religieux parviennent à accepter un certain modus vivendi, et les Haïtiens ne peuvent pas vouloir éternellement continuer à se battre sur un plan religieux, même à travers le politique. Encore faut-il qu'on arrive à, par une certaine sécularisation, à un stade politique. Dans tous les cas, l'histoire d'Ogou est une illustration parfaite, à mon avis, de toute cette situation de crise culturelle et religieuse dans laquelle le pays se trouve. Ce qui s'est passé au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, se passe encore dans ce combat entre catholicisme vaudou ou entre christianisme et vaudou aujourd'hui. Dans le fond, cette quête des Haïtiens continue, cette quête d'un vaudou public, en quelque sorte. Et il y a toute une évolution du vaudou qu'il faut peut-être traquer aujourd'hui, qu'il faut essayer de comprendre au fur et à mesure que la compétition devient serrée entre les différents cultes qui sont sur place. Mais cela montre que Haïti est quand même pris dans le contexte de la mondialisation, parce que ce contexte fait peur, pousse les gens à se dire « mais écoutez, je risque de perdre ma spécificité, ma singularité, ce n'est pas possible, il faut que je me retrouve ». Et à ce moment-là, il y a soit un nouveau syncrétisme qui est en train de naître, soit un fondamentalisme. Dans tous les cas, il y a une évolution que nous pouvons remarquer à travers même l'engouement qui se manifeste pour un culte comme le culte d'Ogou, qui précisément a de plus en plus une stature internationale. On a l'impression que plus il y a de frustration au niveau socio-économique puis au niveau politique, plus on se rabat sur le phénomène religieux. Il y a quelque chose qui nous interroge sur le destin actuel de la culture haïtienne et sur notre devenir politique aussi. Parce que dans tous les cas, il ne sera pas possible qu'Haïti soit absolument orienté vers un seul culte, ce n'est plus possible. Donc tôt ou tard, il va falloir qu'existe une sorte de compromis entre les divers systèmes religieux, et ce compromis sera symptomatique de notre entrée dans un âge adulte
c'est l'âge à partir duquel nous sommes capables d'assumer que l'autre adopte un autre système religieux, un système religieux différent du mien, et que je ne suis pas obligé de le terrasser, de le transformer à l'intérieur de mon propre système. Et cela doit se passer pas seulement au plan religieux, mais également au plan du politique. Ça serait signe que nous accédons finalement à l'acceptation du principe des libertés fondamentales en Haïti. Parce que le principe des libertés fondamentales passe par la liberté de religion et donc la liberté de culte. Happy birthday.